Ah, y'a qui me fait des idées. Parce que c'est peut-être moi qui me paranoie. Ça procure une bonne sensation, Outward le matin. Ah mec, c'est une fraîcheur. Je me fais attaquer ou quoi? Ah non. Comment tu vas, Zoon? Je finis mon café. Alors, on va voir là, l'emplacement, la place qu'on a dans l'inventaire. 40 sur 110. Oula, on peut aller se faire une expédition easy là. Hein. Alors, on peut se faire une expédition easy. On voulait aller où? On était. Ah oui, on était passé à côté de la tour. Aujourd'hui là, on va bien avancer dans le jeu. On est parti pour un live qui a duré minimum une semaine là. Là, le live il durait une semaine. Si ta voix déchire, mais sur YouTube, c'est pas fou. Ok. Bon bah. Pourtant, c'est la même chose. C'est ça que je comprends pas. C'est bizarre. Non, tranquille, elle est posée. Ta voix, ça détend, ça change des mecs qui veulent pour un rien. Ok, bon, ça va. Parce qu'en fait, la seule chose que je fais à Zoon, c'est que je prends la vidéo que j'ai fait sur Twitch. Et je coupe juste et je la mets sur YouTube. Par contre, ce qui va changer Zoon, c'est que. Au début, mon micro était plus en bas. Et en fait, dans les let's play, comme il y a un petit peu de retard, après j'ai relevé le micro, tu vois. Là, le micro, il est en haut par rapport au let's play. Les premiers épisodes, le micro, il est en bas. Et du coup, ben, à partir d'épisode 23, 24 de let's play, ben, tu verras qu'il y aura un changement dans la voix parce que ça sera à l'époque où j'ai relevé le micro. Ouais, l'isolation de PQ. Ouais. Bon, je vais fermer la fenêtre parce que là, je pense que vous entendez les bagnoles. Voilà. Chose de découvrir via ton replay sur YouTube, tu es super, bien rank quand on tape le nom de ce jeu. Ça doit changer le coup du micro, je n'étais connecté 15. Oui, bah en fait, si tu veux, là où tu te trouves en ce moment dans la partie, on doit être au let's play numéro. Je vais pas te mentir, 35, 40. Mais étant donné que j'enchaîne 8 à 10 heures de live des fois. Je peux pas sortir 10 heures de let's play, on est d'accord, tu vois. Donc je sors les épisodes les uns après les autres. Donc y a un décalage, tu vois, entre ce qu'il y a sur YouTube et ici, y a un décalage. Putain, j'ai toujours pas de pioche, putain, il faut que je cherche une pioche. Pourquoi j'ai vendu ma pioche? Mais là, je suis en train de rattraper le retour parce que maintenant, au lieu de faire des épisodes de 30 minutes, je fais des épisodes de 1 heure sur les let's play sur YouTube. Ya, mais on te fait un jarlush. Voltez, vous lancez la stream. La pioche, mais oui, je l'ai vendue et depuis j'ai de la flemme pour acheter une. Je suis désolé, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je vous dis, le matin, moi je suis HS. Voilà, j'ai plus de bouteille d'eau, c'est génial. Je vais mourir de soif. Cubi. Putain, il fourbe ce chien.
Voilà. C'est bon. Suffit. Bon, on a fait toute la même affaire. C'était les préparatifs du matin. Il fallait aérer la maison. Il fallait boire de l'eau. Il fallait boire le café. On a fait tout ce qu'il fallait. Un petit pas. Il n'y a plus de musique dans le jeu. Alors, yo, moi je suis salut à toi, Extradab. Comment tu vas, mon frère? Moi je suis grave chaud. On pourra se capter. Grave envie de casser le jeu en coop. Bah oui, pas de soucis. Moi ça me dérange pas de jouer en coop. C'est juste qu'il faut que je crée un autre personnage. Comme j'ai dit, celui-là, je vais le faire en solo. Ce personnage-là, je le ferai plus. Ce sera à l'inverse. Je viendrai plutôt vous aider dans votre partie si vous avez besoin d'aide. Mais dans ma partie, je vais vraiment le faire full solo le jeu. Pour profiter d'une expérience. Mais si vous avez besoin d'aide dans une partie, j'y viens avec plaisir. Parce que j'ai envie de vous aider à faire votre grotte, etc. Par contre, faire une aventure coop en let's play avec plusieurs viewers, ça c'est avec plaisir. Ça sera un autre personnage et ça sera la prochaine aventure qu'on fera. Mais ça va, et vous les amis, qu'est-ce que tu racontes de moi? Après, j'ai ça la peine, je crée mon perso. Après, du coup, ouais, c'est justement. Voilà, avec ce personnage, je viendrai. Ce sera plutôt moi qui va rejoindre vos parties, qui va vous donner des coups de main. Parce qu'une fois que j'aurai fini le jeu, bah après, c'est ce que je ferai. Je viendrai à chaque fois avec le. Avec monsieur. Indestructible. Bon, tu sais quoi, dinosaure là, dégage. Hein. J'aime pas ta gueule. Voilà, comme ça nous fait de la musique. Vas-y, mets du poison, mais tu sors un truc. Contre. Oh là là, le premier mob qu'on tue, les gars, mais on le défonce là. Oh là là, on est en forme, le café là. On a bien fait de se lancer lentement. On a bien fait de se lancer lentement, les gars, voilà, on a bien fait. On a bien fait d'y aller mollo, tranquille, parce que là, le dinosaure, là, on l'a ouvert en 4. Et quand le ferais-tu, perso? Ça me boute de faire de la coop avec toi, si c'est ton délire. Non, mais mec, moi, ça me dérange pas de faire de la coop avec toi, tu vois. Ça me dérange pas. C'est juste. Question de s'organiser, tu vois. Parce qu'il y a déjà Lune André qui va faire de la coop avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la coop avec moi. Donc, ça sera plutôt fait en deux parties, c'est-à-dire que. En première partie, on va se concentrer à finir l'aventure avec ce personnage. Et après, on fera un peu de tout. Comment m'expliquer? Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. On fera un peu de tout dans le sens que il y aura des jours où je créerai mon nouveau personnage, on avancera avec mon personnage en coop, avec plusieurs viewers, on fera un tournus, petit à petit je prends un viewer, etc. etc. Et puis après, il y aura aussi en mode je viens avec ce personnage, et puis je viendrai dans la partie des viewers, et puis je viendrai vous aider ou faire des trucs que vous aurez envie. Moi je vous suivrai, je tabasserai des gars, et puis voilà quoi. Mais du coup, bah avant, j'ai quand même envie de découvrir le jeu, l'histoire complète, les maps complètes. On partage avec vous avec ce personnage. Et puis après, on s'attaquera à ça. C'est pas un aspect que j'ai pas en. C'est juste que j'ai commencé en solo, mais j'ai envie de le finir en solo. Parce que, comme je dis, ce jeu-là, il offre plusieurs expériences. Déjà, quand vous jouez selon les spécialisations que vous allez jouer. Mais si vous jouez en solo et en coop, ce n'est pas du tout le même jeu. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous n'aurez pas du tout la même expérience de jeu si vous jouez en solo ou en coop. Hein. Mais vraiment pas du tout. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je joue avec tout le monde. Alors ça, c'est une promesse que je vous fais. Je jouerai avec vous tous. Vous tous, Lune André, Zone, Extradab, tous ceux qui voudront jouer avec moi, on jouera ensemble. Ça, il y a quand même. Bon, des moments où vous jouez sur PC, parce que si vous jouez sur console, ça sera un peu plus compliqué. Et ça, c'est une promesse que je vous fais. Mais il faudra qu'on s'organise, dans le sens que, bah voilà, soit vous aurez envie de venir avec moi. Attendez, je défonce juste le gars. Soit vous aurez envie de venir avec moi dans ma partie avec mon mage, parce que je serai un mage en deuxième personnage. Soit bah, ça sera moi qui vous rejoindra et puis on ira péter des queues ensemble quoi. Moi je viendrai en mode je vous aide et puis en attendant, avec les viewers on vous matera. Je serai en mode inspecteur, soldat. Bon, arrêtez de me casser les couilles toi. Dégage. Pas d'humeur mec aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Hein. Proche le jeu en coop, ça se fait quand tu as déjà fini, sinon c'est pas marrant, bah ouais, c'est ça. Mais non, mais ça peut être bien de jouer à deux aussi, dans le sens si t'as un couple, si t'es avec un pote et tout, ça peut être sympa, tu vois. Mais je pense que si tu fais le jeu en coop, c'est aussi bien de le faire en solo. C'est pas, comme je disais, c'est pas du tout la même expérience. C'est deux expériences différentes. C'est deux façons d'appréhender le jeu qui sont complètement différentes.
qui est bien, c'est de le faire à deux à poil, sans prendre de stuff. Ça, c'est bien. Quelqu'un sait combien de jeux peut... Deux. Ça se joue à deux, bro, c'est tout. Ça se joue à deux, ma biche. Ah, je vais me faire attaquer. Ouais, on va tenter. De batterie. Toujours à deux. On a failli sauf Oyo des bandits juste là, il passe à côté, on s'en bat les couilles. Salutations les gars. Regarde, ils commencent à comprendre. Tu vois, là ils me respectent entre nous les gars. Voilà. Je pense qu'on a quand même gagné une certaine autorité sur la map. Les ennemis ne nous attaquent plus. Faire quand même une partie solo à côté. Car en cop, c'est vraiment simple. Le premier prend l'aggro, le deuxième attaque comme il veut. Et tu peux rester en pote, ouais, c'est ça. Ah non, ils ne nous respectent pas. Ils se sont dit, en fait, on va lui passer à côté. Ok. Problème. Non, on a pas marché le contre, c'est une blague. Les gars, je viens de dormir, quoi. Faites-moi pas chier. Dégage. Dégage. Les gars. J'ai pas envie de vous massacrer, hein. J'ai pas envie de vous tuer, les gars. C'est pas dans mes intentions, hein. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Franchement, tu vois un gars, il est en train de faire du camping. Tu l'attaques avec une hallebarde? Non. Non. Non, tu l'attaques pas avec une hallebarde, les gars. Tu l'attaques pas avec une hallebarde. Je sais pas. Non, tu l'attaques pas. Tu le laisses dormir, tu le laisses camper. Il était en plus, je prenais le déjeuner, les gars. J'étais en train de manger, je me disais, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, bah, du coup, on va manger un petit peu de pain, c'est le matin. Ouais, une petite tartine, allez, une petite tartine, c'est le matin, tranquille. Une petite tartine matinale. Et puis, ce qu'on tue le raptor. On tue le raptor, parce que j'aime pas sa gueule. Salutations Raptor, comment ça va? Ça va bien. Vas-y, attaque. Oh, il m'a cancellé mon attaque. Bâtard. Oh, on va se dépêcher parce qu'on est enseignement. Allez, prends-toi le contre dans les dents. Oh, il a reculé, oh, le bâtard. Dégage. Un petit coup dans les côtes, bien placé, et puis ça le calme. Tu es sur Discord pendant tes lives. Salut, Québec. J'utilise mon Discord quand je suis en multijoueur avec des gens, mais sinon, non, je suis pas sûr. Enfin, je suis sur Discord, oui, mais pour recevoir des messages, pourquoi tu poses cette question? Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma biche? Ah, vous pouvez, hein. Le Discord, il est là pour ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, hein. Mon Discord est tonal. Après, moi, je vais pas me mettre à parler avec vous pendant que je stream, parce que sinon, ça devient vite le bordel, hein. J'ai rien contre vous, c'est juste que c'est... Quand je live, je m'occupe de répondre au chat, je m'occupe de l'animation si on joue en jeu multijoueur. Évidemment que je me mets sur Discord avec les gens avec qui je joue en multijoueur. Merci beaucoup Willy QC pour ton follow, c'est extrêmement généreux de ta part ma biche. Bienvenue à toi sur la chaîne, ici c'est une chaîne conviviale, bonne ambiance, bon enfant. Bonjour à toutes et à tous, un très bon mardi les amis, j'espère que vous allez bien. Mais oui, vous pouvez aller sur Discord hein, pour ceux qui veulent aller, allez-y hein. Tant que vous faites l'amour et pas la guerre, les gars, le Discord il est là pour vous hein. En bas de la page Twitch, vous avez un bouton qui s'est écrit rejoignez le bouton Discord, la page Discord, vous cliquez dessus, vous avez le lien. Merci beaucoup Willy. Willy QC. Putain, il n'a plus de musique là, je vais devoir attaquer un ennemi pour qu'il y ait de la musique. On va se mettre un petit bandage. Notre gars, un petit creux, il se dit j'ai envie d'un croissant. Donc il va manger un croissant. Allez hop, QB. Laisse Timo tranquille. Ta place QB. Chez Timo.
peux éviter de te coucher sur lui. Regardez comme elle me regarde. Parce qu'elle se couche sur lui. Abruti de chienne. Sur le chien. Chien, on a ras le cul. Parce qu'elle veut. Voilà, c'est madame confort. Et puis aujourd'hui, je l'ai mise ici vers moi. Parce qu'elle a passé toute la journée dans sa niche. Voilà, de la musique. T'es avec moi? Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Oh là là, ouais, mec, à chaque fois je vous attaque pas, puis vous m'attaquez, donc cette faute, c'est quoi? Pourquoi t'en en parles qu'il y a uniquement quand je me bats qu'il y a de la musique maintenant? Super qualité de stream. Merci beaucoup, mec, c'est super gentil à toi. Ton message me viendra dans le cœur. Un gros bisou à toi, ma biche. Ok, ils se prennent pour qui là? Tu sais, ces dinosaures, à chaque fois on essaie de les esquiver, on essaye, mais ils nous attaquent. Donc du coup, bah, je me retrouve à exterminer une race de dinosaures. J'ai pas forcément envie d'exterminer, mais bon. Qu'est-ce que les chaudis disent, les gars? Bon, bah, le jeu, il se fout de notre gueule. Il a uniquement envie de mettre de la musique quand on se bat. Du coup, on va aller se battre, sinon on aura pas de musique. Cette map, elle est un peu buggée, la musique. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Alors. On va checker juste un truc. Tac. Alors. Partir. Alors là, c'est quoi? C'est un temple maya où il y a des sacrifices. Où il y a des sacrifices humains. Ah, la musique a recommencé. Comme ça d'un coup. Ah, notre ami il est là. Attends. Allez, on va. Alors, on va y aller comme ça. Il casse-couille là. Surtout que j'ai pas mon buff de discipline. Qu'est-ce que tu veux, tête de loup là? Dégage. Tiens, on est vraiment. En mode on défense tout le monde hein les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce matin hier on a lancé le live, on arrêtait pas de crever. Aujourd'hui je lance le live les gars, putain je suis en forme hein. Mais même lui, regardez, même lui là il va prendre Bagdad, regardez. Voilà. J'ai même pas besoin de compétences les gars. Les petites épées elles sont tombées. Ah. Bon d'accord. Okay, on va le respecter un minimum. Là, un petit coup dans les dents et puis voilà. C'est ce qu'il voulait. J'ai oublié de nous emmerder, mais bon. Ah, j'ai oublié de mettre sur Discord qu'on était en live. On va ça tout de suite. Hop là. Ah, everyone. Live on. Sur Discord, qu'on est en live. Ah bah du coup il a drop un petit vernis le gars. Du coup il a une petite porte ouverte. Ziggurat Sombre, juste voir sur la map où je suis. Ziggurat Sombre. Moi je suis là en ce moment. Ici. Tu peux faire point d'exclamation Discord ou sinon en bas de la page Twitch. Tu vois un bouton qui s'appelle Discord. Discord vocal, il s'appelle le bouton. J'ai remarqué qu'il y a. Souvent les gens ils voient pas les boutons. C'est pas un reproche, hein. Je dis juste que je l'ai. Mais souvent les gens ils me posent la question. Il y a pas beaucoup de monde qui clique sur ce bouton. Alors que je l'ai fait dessiner et tout. Mais les... je sais pas. Comment expliquer. C'est pas très intuitif en fait leur truc Twitch. Ils devraient mettre ça en. Plus visuel en fait. Ils devraient trouver un autre système. Une sorte d'onglet ou quelque chose. Je reviens sur Division 2. Ah, Division 2, j'aimerais bien le faire une fois. Ça pourrait être cool de se le faire une fois. Oula, c'est quoi ces ennemis? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ok, d'accord. Un peu mal. Wow, c'est quoi toute la map qui débarque là? Pourquoi toute la map a décidé de débarquer?
Attendez, attendez, je me concentre là. Oh, c'est quoi de ce gars? Ok, d'accord, je vais mourir. Les gars, je me suis fait gangbang! Putain, y'a toute la map qui est venue, je sais pas ce qui s'est passé là. What the fuck? Les gars, il avait un câble le jeu ou quoi? Son sac à dos il est dedans. Il y a toute la map qui a débarqué sur notre gueule. Genre vraiment toute la map de la ziggurat. Ah putain, en plus mon sac à dos est là-bas. Quoi? Allez. Vite, faut que je boive. Je mange. C'est quoi? Est-ce que je vais réussir à remonter? On peut me coincer? C'est bon. Ah non, mais t'inquiète, là je vais les défoncer, je vais me venger. Attends, ils veulent venir à 10 sur moi? Pas de problème, les gars. C'est moi juste boire une petite potion. On va les défoncer. Ils se sont rangés pour tous les morts que t'as fait. Ouais, mais mec, alors là, franchement, là. Imagine tes mages. Franchement, t'es mage, mec, tu dis bon bah, je suis mort. Attends, là, on va pas se gêner, mec. Fuck. Gros, je vais pas me gêner, hein. On va soigner le max de vie. Est-ce que j'ai des trucs qui soignent le max de vie? J'ai même pas besoin de toute ma vie, tu vois. Je sais pas leur manquer de respect. Qui reste en endurance. Est-ce que... Regarde si j'ai un plat là qui prête bien. Alors, on va boire, niquer la soif. Voilà. Gagne le max de vie. Un petit bandage. Oh, on dirait vraiment les dreamers hein, ces trucs. Hein. Mais je vais pas me gêner, mec, hein, tu vas voir. Je vais aller vraiment en mode. Vous allez vous faire buter là. Voilà. Bon. Là, je vais mettre un petit. Un petit chiffon empoisonné. Hop là. Voilà. Le respect est mort. Même pas, rien. J'aurais peut-être dû claquer mon buff avant. Voilà. Ah, ils sont. Bon, mec. Ok. Je vais boire une potion. Je suis en train de cramer. Putain, je suis en train de brûler, les gars. Oh là là, ils font quand même vachement mal. Hein. Je suis en train de brûler, je sais pas quoi faire. Oh. Putain, mais je suis en train de brûler. Oh là là, mais c'est horrible cet endroit. Bah voilà, c'est, tu vois là à 2, c'est typiquement ce qu'on te disait avant, là à 2 ça va, la zone, tu t'es dit ça va. Là en solo tu te dis, non mais c'est pas possible. Je trouve que les sacs à dos ils arrêtent pas de laisser la voix dedans. Bah au moins on sait qu'on aura tué tout ce qu'il y a dedans, du coup. Félicitations les gars, j'espère que vous allez bien. Il y en a encore un autre, oh là là. Ah ouais, éviter de se prendre des dégâts de feu. Cette fois, j'ai dormi. Hein. Voilà, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû dormir.
Ouais, voilà, il faut faire la technique des portes, en effet, comme tu dis. Ah, voilà. Voilà, on va dormir, du coup. Ce que j'aurais dû faire avant. Tac, on va boire. Voilà. À pioncer. 2 heures. À réparer 3. Comme ça, je pense qu'on est pas trop mal, les amis. On est pas trop mal. Et bonjour à toutes les personnes qui débarquent, les amis. Bonjour à vous. Putain, je suis pas encore en full. Qu'est-ce qu'il a? C'est déjà full. Mais non, apparemment pas. C'est bon, je me suis fait attaquer. Ok, nickel. C'est bon, là, je suis full life. Non, mais toujours. Non, mais c'est une blague, là. Les gars, je viens de dormir 9 h. J'ai acheté une tente de luxe, c'est pour me reposer quand je dors. Tac. Bon. On va tuer un bandit cette fois. Oh là là, mais les gars, putain. Vous avez décidé de tous me faire chier, hein. Non, mais putain, il fallait évidemment qu'il... C'est ce qui pour moi se relève. Allez, vas-y, dégage, tu sais quoi. Voilà. Très bien. Bon. Est-ce que je vais pouvoir enfin... Est-ce qu'ils vont finir par me foutre la paix? Quand même. Au bout d'un moment, les gars. Quand même. Parce que le jeu va nous respecter. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, on se fait pas trop respecter, les amis. On se fait pas trop respecter. C'est un petit peu dommage. Allez, on va boire un peu d'eau. Et pour les personnes qui viennent débuter le jeu ou qui auront le jeu et qui vont apprendre plein de petites astuces, n'hésitez pas à te faire point d'exclamation tuto. Je fais énormément de tutoriels sur ce jeu. Là, on va prendre ça, un fluide épais, c'est quoi. On va y aller à fond, les gars. On va y aller à fond. On va y aller à fond la caisse. Bon. Manger une petite tartine, comme ça, max endurance. Voilà. Là, on est ready. Non, mais le, bah, normalement, la glace, ça fond face au feu, tu vois. Donc, cette fois, t'inquiète. Cette fois, je suis paré. Cette fois, j'ai pris vraiment de la grosse potion, là. De la grosse potion, mec. Avant, j'ai mis un petit parchemin. Là, j'ai coqué un vélin. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens là, viens là, viens là. Mais en fait, le feu, ça fait putain de mal. Mourir de feu. Oh putain, mais le feu, ça me brûle, les gars. Oh, mais c'est ouf. Oh là là. Faut qu'il me faut des potions de résistance chaleur, là. Là, je suis obligé. C'est ça qui manque, en vrai. Hein. C'est ça qui manque, hein. C'est les potions de chaleur. Oh là là, putain. Horrible. Une clé qui est 250 potions pour... Que dalle. C'est quoi, je vais les fighter comme ça, mec. Sans même régène ni rien. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée sans régène. Non, mais je vais revenir avec des potions de chaleur, parce que là, ils m'ont vraiment saoulé. C'est ouf. Ils sont vraiment puissants, là. Bon, bah, vous saurez que c'était Ziggurat, les gars. Faut y aller à la tâtion. Et tu vois, ça me fait chier de me barrer à cause d'eux, tu vois. Surtout que, bon, maintenant, mon sac à dos est là-bas. Hein. Ça, c'est un autre problème.
Ah bah, aller dormir. Ouais, maintenant je vais me balader avec des potions de résistance de feu pour quand je viendrai là-dedans. Je saurai. Voilà. Bande de luxe. Un dodo. Je sais même pas si ça suffit, on va dormir 10 heures. 10 heures, je pense que ça suffit. Alors t'as intérêt à avoir un SSD quand tu joues à ce jeu, parce que putain du chargement t'en as, hein. Oh mais là je l'ai contré là, c'est une blague. Là, de nouveau, on me respectait pas le jeu. Qu'est-ce que vous avez? Bandage. La viande, ok, bandage. On a du tissu pour faire du bandage, de l'argent. Allez, on est reparti. On y retourne. Bientôt j'aurai plus d'eau hein. Bon heureusement j'ai ma petite casserole, je peux me mettre de l'eau à bouillir. On va essayer le givre comme a dit notre ami. C'est vrai que ça peut les ralentir, ça peut être pas mal le givre. Voilà. J'avais soif. Bon t'as plus soif. Ok. On y retourne. Ils en régènent, mais bon. Ça va, les casse-couilles de service. Ah, mais c'est ce truc là, je sais même pas ce que c'est ce machin. C'est lui qui fait mal. Ah, mais celui de feu là. Ce machin de feu. Je suis sûrement celui-là là. Oh, même lui, je le tue. Vas-y, dégage. Non, peut-être pas que je le tue. Ah, c'est bon. Enfin! Alléluia! Alléluia! Mais ouais, alors c'est ouais, c'est bien la pâte à gras. Ça, c'est bien, ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est un bon plan. Bon, en tout cas, je vais dormir là-dedans. Alors, je crois le matin. Voilà. Là, si on se fait attaquer. Merci, Léon-André. Merci, bro. Parce que là. Casser les couilles, hein, cet endroit. Hein. Ils nous cassent les couilles, les gars. Pourri, bon, c'est pas grave. On est full life, c'est bon. On est full life. J'ai une petite tartine. Comme ça, ça nous régène l'endurance. Hop là. Il vient de s'allier. De sa... Viande salée. Viande salée. Voilà. Ces enfoirés. Morceau de golem bestial, ok. Des piquants palladium. Pierre de feu. Pierre de feu. De feu. Personne. Ah, cette fois, on va y aller lentement. On va checker. Personne. C'est bon. Ah, le problème, c'est qu'il en avait 10 d'un coup, quoi. C'est surtout ça le problème. Parce que, un à la fois, ça va. La corruption bouillante dans cette tuyau actuelle machine. Passe dans le bouillon, un fluide sans obstacle à son écoulement. Hein? Que faites-vous là? Vous n'êtes pas en sécurité ici. Laissez mes machines tranquilles. Vous ne pouvez pas connaître leur rôle. N'existe-t-il d'autre? Voilà. Ah bah tiens une pioche les gars, bah voilà, on trouve une pioche. Ils protègent contre les températures chaudes et froides. Elles n'ont aucun dégât fait sur la brûlure, donc si je me fais cramer, ça sert à rien de les claquer. Hein. Bah, y'a rien. Y'a rien. Ça fait penser un peu à Skyrim, tu sais, quand t'as cette musique là, quand t'es en phase de combat. Ah, c'est vraiment les temples d'humeur, ça. Hein. Ils sont bien inspirés à Skyrim. Hein.
Costume de lac, ok. Ok. Ça sent le bon vieux labyrinthe. Et je suppose qu'en bas y'a rien du tout. À part se jeter dans le vide. Allez. Ah, y'a un coffre. Une hallebarde brutale, d'accord. Ah, c'est pas trop mal. Bon, on va aller de l'autre côté. Je la passais par là, et que je la sautais. Non? Peut-être. On va essayer. Je peux revenir en arrière. Non, je sais pas. Ah, je peux pas faire de roulade. Ok, on est censé passer par un autre endroit du coup. Je peux pas, non. Bon, je pense qu'on doit passer par en haut. Il va y avoir une autre porte. Ah, peut-être la porte elle est juste de l'autre côté en fait. Et il y aura de nouveau 250 000 ennemis qui vont nous attaquer. Ouais, moi non plus, jamais essayé d'en peser. Mais tu vois, alors après, tu vois, certains pièges, il faut que tu aies les compétences. Et c'est un certain but les pièges. Allez, go. C'est de ce côté, je pense qu'il doit y avoir une porte de l'autre côté. Bingo. C'était évident. C'était évident. Alors, pas tous les pièges, hein. Certains pièges, t'as pas besoin de compétences. Mais d'autres, oui. Et bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Bonjour. Oh. Viens donc. Le contre parfait. Oh là là. Waouh, 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 ils font Superman. Attendez les gars, rigolez ou quoi? Mais ils sont tous énervés les ennemis hein. La potion vite. Bon. Et on le tue, c'est bon, il n'y en a plus qu'un. Ça va être plus simple s'il n'y en a qu'un. Si on a deux d'un coup. Eh, ils sont super forts là, hein, les gars. Je sais pas où je suis, mais. En tout cas, les ennemis, ils rigolent pas. C'est bien, on a de la difficulté là. Voilà. Ah là, je vais pas me plaindre, il y a de la difficulté. Ouh, masse liche de jade. Si on fait une masse qui est meilleure. Ouh, on a enfin trouvé le meilleur masse. Par contre, moins 10 de coup en mana. Impact 32. Ah, de toute façon, actuellement parlant, elle va faire plus de dégâts que celle que j'ai. Elle a une meilleure vitesse d'attaque, on va tester. Ah mais c'est une petite masse, j'ai cru que c'était une grande masse, c'est plus la merde. En fait mon arme elle est défoncée, il va falloir que je la répare. Oh, 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 oh. Attendez, attendez, attendez. Attends, attends, attends. Ouf, c'était chaud. Après tu peux les poser, tu peux craft des sacs spéciaux pour les plaques. Bien appliquer directement les vernis, les dégâts de plaques. Ouais, ça je sais que c'est bien. Je sais qu'ils sont super violents les dégâts. Exactement. Ça coûte que 50. Mais je sais parce que ma copine elle joue ça sur la console. Dans la partie qu'on a ensemble. On pose des pièges partout et puis les ennemis ils arrivent et puis ils se font tous défoncer et c'est complètement fumé. Ça. C'est une certitude. Alors attends. Ah les dégâts des plaques sont terribles. Terribles. T'as même pas besoin de toucher les ennemis parfois. Ouais, c'est quoi, on va dormir, on va réparer, on va tout faire. J'imagine pas, j'ai testé. Tu fais rien en fait, ton pH fait tout. Et tu joues avec un pistolet et puis c'est encore plus violent. Combine les balles avec des éléments et puis des ennemis ils ont même pas le temps de s'approcher de toi.
C'est un autre gameplay. Oh là là, mais ils vont jamais me foutre la paire. Hein. Non, je me suis trompé de touche. Je vais appuyer sur R. Les gars, il faut que je sois full life. Mais non, mais. Voilà, c'est bon, je crois. Je vais claquer mon buff. Dégage. Voilà. Ouais, pour ça, faut avoir été au désert. Je suis pas encore allé au désert, moi. Hop là. Reste plus d'eau, c'est la fête. Pourquoi j'allais chercher un peu d'eau en bas? On va chercher un petit peu d'eau. Avant de retourner là-dedans, je vais mettre ma campé, mon armure de déplacement rapide là. Je vais mettre juste ça. On va aller chercher de l'eau. On va la faire bouillir. Un peu d'eau, un peu de bois. On va faire cuire un petit peu de viande. On va avoir un peu de la viande ou quelque chose. On... finir l'eau qu'on a, hop là. Récolter, hop, récolter, récolter, voilà. On a les trois, on va chercher un peu de bois, est-ce qu'il y a du bois par là? Il va y avoir du bois juste là. Et comment tu vas, Felistria? Bonjour à toi. Comment tu vas? Donc, toute chose, hein, on se croise, le petit bonjour. Matinale, comment ça va et tout? Bien dormi ou pas dormi? Même bruit, je vois pas, c'est tout. Je sais pas si je vais pouvoir prendre du bois là. Oh. Putain, mais des. Où est un arbre? Il y a des arbres de partout, mais je peux pas les récolter. Putain, j'arrive pas trop à un arbre, quoi. Je suis maudit, les gars. C'est toujours bien. Moi, j'ai pas le droit à un petit bonjour. J'ai pas le droit à un bonjour, non? Bon, bah, tant pis. Tant pis. Bon, bah, voilà. Désolé. Bon, il y a du bois quelque part, là. Et là, les gars, c'est pas tout ça, mais... Il y a des arbres... Ah, là-bas, au fond, putain, ouais, d'accord, on trace. Salut Fouquet, comment tu vas? Oui, je suis à la recherche de deux queues de Tyrannosaure Alpha. Je suis sûr que je peux en trouver, je crois, dans le marais. Dans le marais, si j'ai pas de bêtises. Dans le marais, bro. Ah bah tiens, voilà, il y a du bois là-dedans. Super, une tente simple. On pêche. Bonne merde. J'ai jamais bonjour sur les streams. Ah ok. Bon ben... Bon bah voilà. Ok. Ok, ok. Les nouveaux concepts de l'éducation, ne pas dire bonjour. Je me tiens informé, d'accord, en 2019, pas de soucis. Fais comme Birgit, tu fais passer dans l'eau. Dans ta chaussette avec du charbon et tu la récupères. Eh ouais, 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 mec. C'est gay, il est légendaire, ce type. Il est légendaire, ce type. Mais où? Je sais qu'il y en a deux, là. Dans l'arbre énorme. Tu rentres dans l'arbre énorme. Là, au milieu. Attends, je peux juste pas m'arrêter. Mais dans l'arbre énorme, t'en as, bro. Allez, go. Tac, tac. Alors, kit de feu. Bien. Kit de feu.